Coucou. Alors petite vidéo boîte aux lettres. Je dis petite, mais alors pour moi c'est énorme. Hein. C'est, vous savez, j'ai envoyé mon cahier licorne à Christelle de la chaîne Eternity pour toujours. Je l'ai fait parce que vraiment j'avais envie de lui faire. Enfin, voilà, je m'attendais pas à autant de retours. Juste cette petite carte, soit dit en passant, parce que je l'avais trouvée magnifique quand elle avait présenté. Et elle a fait, mais bon, bah après, il faut revoir la vidéo, hein, vous n'allez pas redécouvrir la carte, mais elle a fait une carte, mais qui est juste sublime. Regardez tout le travail déjà de montage. Elle a passé au glossy tout. Là, ça se voit peut-être pas. Si, il y a des petits points de condensation, d'humidité. Enfin, même ça, la carte, elle est hyper réfléchie, quoi. Bon bah là c'est écrit Hello en violet, donc forcément elle pouvait mettre que dans le mille. Oh, je la trouve magnifique, elle est fraîche. Dedans il y a mon petit mot, hein, ça je vous lirai pas. Ensuite elle a ajouté ça, cette petite carte. Alors moi je me dis ça peut carrément faire un dessus d'album d'été. Mais comme je la trouve très jolie, mais je vais l'accrocher à côté de la carte en fait. Un album, après, je prends toujours plaisir à le faire, à le monter, à mettre des photos, mais enfin, j'y vais pas tout le temps. Tandis que là, c'est affiché et au moins, je verrai sa création souvent. Ah, c'est un petit courant d'air dans la maison, désolée. Donc voilà. Alors, sur le même concept, hein, il y a des petits points là qui font l'humidité, la condensation. Regardez comme elle colorie, mais c'est quelque chose. Hein. Moi, quand je regarde ces cahiers, ces cahiers de coloriage, ça, pour moi, c'est du grand art, quoi. Hein, ça, à un certain niveau. Bon, bref. Passons. Donc voilà. Et en plus, donc la coquine, elle a rajouté des choses. C'était vraiment pas la peine, je lui ai dit, parce que vraiment c'est un cahier que j'ai fait bah comme ça, pour elle, en pensant à elle, et j'attendais pas de retour ni quoi que ce soit, même la carte à la rigueur, le cahier était déjà fait que enfin, la carte elle l'a fait bien après, enfin, j'avais pas d'échange ou parfois je fais vraiment les choses parce que j'aime bien la personne, parce que j'en vois, parce que bah, autour de moi, bon, sinon j'envahis vite tout le monde, hein, donc voilà. Donc encore énormément merci. Il y a des choses que je n'ai absolument pas. Donc ça c'est les nouveaux petits dies. Et c'est parfait parce que pour le coup, ben moi le Action, il y a 30-35 km. J'en ai deux à deux endroits différents, dont un dont on ne trouve rien du tout. Hein. Chanel Scrap, elle est d'accord. Hein. Elle y va plus d'ailleurs à celui-là. Elle m'a donné d'autres adresses, mais qui s'éloignent un tout petit peu plus encore. Donc voilà. Donc, Action, j'y vais une fois par mois et puis point à la ligne. Je m'étais dit, si je les trouve, c'est bien. Si je les trouve pas, bah, tant pis, ça fait des économies. Donc, voilà, cette petite bordure-là. De toute façon, je pense qu'avec ce qu'elle m'a envoyé, moi, ce que j'aime bien, c'est quand quelqu'un m'envoie quelque chose. En général, quand je refais une petite création, je réutilise ce que la personne, elle m'a envoyé. Donc, il y aura certainement, je referai une petite carte ou quelque chose comme ça. Et il y aura forcément une partie de ses envois. Alors ça, ce petit oiseau que moi je regarde depuis un moment, qui pour le coup, moi, me fait penser à un phénix. Avec là, si derrière on remet trois petites découpes rouges ou un peu en forme de flamme, je sais pas comment je pourrais trouver mon truc, un peu fume sec dans Harry Potter, pour ceux qui ont la référence. Donc ça va être... ouais, je vais bien l'investir aussi celui-là. Parce que en plus, oui, j'ai vraiment mon idée... Harry Potter, ouais. Alors après, il y a ce dice de bordure-ci que je trouve très joli. Ça fait ça sur du shabby, ça peut être super. Ouais, ça peut faire super chouette. Quand on n'a pas de dentelle parfois ou quand on voit le prix de la dentelle, des petites astuces comme ça en bordure, c'est parfait. Si je le tiens à l'endroit, c'est mieux. Ça, le feuillage, donc ça c'est pareil, moi qui est très fleur à faire des montages avec mes fleurs. En fond, même si je peux enlever que la bordure et avoir toutes ces petites feuilles là à mettre sur un pan de carte, enfin, j'imagine très bien ce que je vais pouvoir en faire. Ensuite, on a ces petites perles Winnie l'ourson, donc ça c'est parfait parce que j'ai une troisième petite nièce qui est née. Bon, il y a un sacré moment maintenant, elle est grande, enfin, elle est grande, non, elle n'est pas grande. Elle a 6 mois. Mais pour le coup, j'ai fait un gros gros album que je n'ai pas encore eu le temps d'investir. Il faut que je demande à ma belle-sœur plein plein de photos. Et je pense que je pourrais rajouter des petits Winnie. Donc c'est vraiment parfait.
Voilà, et elle a ajouté encore, parce que pour moi, enfin, vraiment merci Christelle, c'est beaucoup trop. Elle a rajouté ses petits carrés 15-15, un peu sur le thème de la mer. Donc là, on a des étoiles. Là, on a ça. Alors ça, moi, je me dis, j'en ai plusieurs, des papiers dans les verts, jaunes, tout ça, noir. C'est vrai que je ne pense pas l'utiliser. Donc, va falloir que je me penche sur le cas de ces feuilles-là. Et ça, je me dis, on coupe la bordure et on le met ben, sur une bordure, justement. Si au pire, le papier, j'arrive pas à l'utiliser, je pourrais l'utiliser par bande. Donc voilà. Ensuite, on a des petites baleines. Elles sont trop mignonnes. Ensuite, on a... Alors ça, j'en cherchais des feuilles comme ça. Mais forcément, ça devait pas exister ou ça devait pas être sorti, quoi que ce soit. J'ai fait un album marin, c'est dommage, je les aurais eu. C'était... Bref, c'est des petits bateaux. Je trouve ça trop joli. Enfin, puis moi, de toute façon, tout ce qui est thème marin comme ça, je trouve ça très classe. Le bleu marine, le rouge, le blanc mélangé, c'est pour moi, c'est tout de suite très classe. Des petites pieuvres qui sont toutes mimi aussi, comme les baleines. Les petites cabines. Alors ça, par contre, je ne sais pas encore trop comment je vais. Je me suis demandé si j'avais pas juste les découper. Je sais pas. Parce que je trouve ça magnifique. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs fois hein, que je louche sur les dalles cabines de mer là. Mais après, je me dis, bon, moi, j'ai pas la mer à côté, je ne vais pas à la mer tous les jours. Donc, est-ce que c'est vraiment la peine d'investir le dalle cabine? Mais en tout cas, voilà. Ne t'inquiète pas, c'est pareil. Je sais, ça va être utilisé. Et des petites sirènes. Elles sont magnifiques. Et ça, je pense que pour mes louloutes, voilà, ce sera très utile. Donc voilà, c'était ma petite boîte aux lettres. J'en attendais vraiment pas tant. Je voulais que la carte. Pour moi, la carte, c'était déjà. C'est comme je disais pour certaines ATC, à un moment donné, c'est des purs bijoux, quoi. Donc avoir ces petits bijoux-là, parfois, c'est suffisant. Mais en tout cas, bon, merci quand même pour l'envoi, Christelle. Et puis à charge de revanche, je pense que j'essaierai de te faire une petite carte, un petit truc, quand tu seras revenu. Voilà, et ben, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé. Bisous!